Good morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, les lunishmat, Richard von Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, Dani Myriam Bat et les Asayak. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Kotek de 5 minutes éternelles, nous étudions Masachet Souka, Perek Bet, Mishnah Dalet. Aose Soukato Ben Aylanot, Vailanot Defanot. La, Kshera. Shluche Mitzvah Pturin Minasuka. Cholinum Shamshe'en Pturin Minasuka. Ochlein Vshotin Arai, Chutz La Souka. Quatre sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, un cas de Aose Soukato Ben Aylanot, celui qui fait sa souka entre les arbres. Veha Ilanot Defanot La. Et il utilise les arbres en guise de Defanot, de Dauphin, de mur de souka. La souka, elle doit avoir des murs et elle doit avoir un toit. Le toit, il le fait comme il faut, avec du srar qu'il a bien coupé du sol. Il n'est pas attaché au sol, c'est un. D'accord? Et par contre, les murs, il utilise les arbres. Il avait des haies, il avait, d'accord. Donc la Michel me dit, ben, Kshera, Sosuka, le Kshera. Le partenaire précise qu'attention, il faut savoir, un mur qui bouge, qui se balade, c'est pas un mur. Donc de ce fait, si tu veux utiliser les arbres en tant que mur, il faut que tu fasses attention à bien les attacher, à bien les fixer, de manière à ce qu'ils ne vont pas pouvoir baloter. Ok. D'où le problème, entre parenthèses, avec les fameuses Soukot, où les gens accrochent juste des draps en essayant de l'étendre tant bien que mal, mais qui ballottent beaucoup, eh bien, c'est probablement pas des murs. D'accord? Fin du premier sujet. À partir de maintenant, on va arrêter de parler de la construction de la souka. On va s'intéresser à la mitzvah de la souka. Qui en est imposée? De quelle manière on a des dérogations de ne pas rester dans la souka? Le premier cas, c'est le shluchem mitzvah pturin minasuka. Les envoyés pour accomplir une mitzvah sont dispensés de la souka. Soit on m'a envoyé en Amérique pour aller chercher de l'argent pour des orphelins, d'accord, une grande mitzvah de tzedaka. J'ai maintenant, donc je suis parti, je suis un shaliach mitzvah, je suis parti pour faire une mitzvah, même moins que ça, la gemara rapporte, je suis parti en Amérique pour voir mon rabbi, shlita. Et le vrai Shlita. Donc je suis parti en Amérique pour voir mon Rav, ou toutes sortes de mitzvah. Je suis en ce moment à Sukba Mitzvah. On a une règle qui me dit à Sukba Mitzvah, pas tourner la mitzvah. Lorsque tu es en train de réaliser une mitzvah, tu es dispensé d'accomplir une autre mitzvah. C'est un sujet très vaste. Il y a plusieurs conditions. Est-ce qu'on peut accomplir les deux? Est-ce qu'une ne va? Mais dans la mesure où une va entraver l'autre, en l'occurrence, par exemple, je suis en train de partir ramasser de l'argent pour une certaine bonne cause. Je suis en train d'aller accomplir une mitzvah, d'aller me débrouiller, maintenant acheter des tefilines pour que, après les fêtes de Sukkot, pour que tous les pauvres gens de la ville aient des tefilines, parce que si on n'avait plus de tefilines, et c'était urgent. Je suis à Sukba Mitzvah. Donc je suis maintenant, mon travail, il est de, mon rôle, il est de partir maintenant, depuis tôt le matin, et de partir taper aux portes et me débrouiller. Si maintenant tu vas me rajouter sur ça, le joug d'accomplir la mitzvah de la souka le soir, pour pouvoir dormir et pour pouvoir manger, je vais avoir au moins 2 heures de la journée où je ne vais plus être effectif. Même si je vais essayer de partir taper aux portes, je serai plus persuasif quand je vais parler, je serai déconcentré. Asukba mitzvah, pas tourner la mitzvah. T'occupes avec une mitzvah, tu es dispensé d'accomplir l'autre mitzvah. Ok? Ça c'est pour le shluchem mitzvah, pturim et nasuka. Autre cas de figure qui vous sont dispensés, c'est cholin ou meshamshen, pturim et nasuka. Les malades et ceux qui assistent le malade, ils sont dispensés de la souka. Le malade, alors on ne parle pas qu'il est en pikuach nefesh, là n'est pas la question. Si c'est pikuach nefesh, il n'y a même pas de question, que même Khalil Shabbat, si c'est tellement dangereux. Là on parle que c'est pas dangereux, mais que maintenant, quelqu'un qui est, soit parce qu'il a pris froid, soit parce qu'il a même une inflammation dans les yeux, que si toutefois il reste chez lui au repos tranquillement, il va mieux se reposer. Il a plus intérêt à se rester chez lui à la maison. Alors lui, premièrement, il est dispensé de la souka. Pour la bonne raison que c'est lié au problème de Mitztaer. La Torah, elle nous a dit un nombre maintenant ici qui nous rajoute, qui pose quelques règles. La Torah nous a dit Teshvu Ke'en Tadourou. C'est une généralité, ne vous initiez pas à l'appliquer de vous-même avec votre manière de réfléchir, parce qu'il y a quand même des Gdarim, il y a des définitions anachiques à considérer. Mais de manière générale, en tout cas, la Torah, elle m'a imposé lorsqu'arrive Sukkot, tu quittes ta maison et tu vas habiter dans une souka. Tu dois habiter dans la souka comme tu habites dans ta maison. Avec la même, bien sûr, bien évidemment, te plier
aux conditions du terrain, quoi, d'accord? Mais ensuite, si toutefois, une fois que tu vis dans la souka, tu es mitztaher, tu as une difficulté à rester dans la souka pour quelque chose qui n'était pas prévu, d'accord? Tu as commencé à dormir, puis finalement il s'avère que tous les soirs il y a trop de bruit, tu n'arrives plus à dormir dans la souka. Quand tu es chez toi dans une chambre, il y a trop de bruit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une autre chambre. Sur le même principe, quand tu es dans ta souka, tu n'arrives plus à dormir, ben tu quittes ta souka, tu vas dormir ailleurs. Mais tu as le droit d'entrer chez toi, dormir à la maison. C'est un vaste sujet, je vous dis, parce que dans ce cas-là, n'importe qui va me dire oui, mais être en plein air, toute souka, on va être mitzter. Là, non, ça ne marche plus. Il y a des règles, quand dire oui, quand dire non. Donc, moi, je reste concentré sur le sujet. On a choline, quelqu'un qui est malade, en tout cas, une chose de sûre, c'est que quelqu'un qui est malade, il va tout faire pour guérir au plus vite, et en l'occurrence, partir dormir dans l'endroit où il guérira le mieux. Et là, de ce fait, il a une dispense de la souka. Lui, et même ceux qui l'assistent, petite discussion, mais c'est rapporté comme ça dans le Tosot Yeshanim et dans le Tiferet Israël, il rapporte de la, au nom du Shulchan Aruch, que ceux qui l'assistent, c'est que pendant qu'ils sont en train d'assister. Soit, pendant qu'il est réveillé, il faut rester à ses petits soins. Si je suis, moi, aux petits soins de la personne qui a, donc, comme on a dit, une conjonctivite très violente, je suis à ses petits soins, je suis en train de m'occuper de lui, au moment où je suis en train de m'occuper de lui et de l'assister, eh bien, je suis dispensé de la souka. Si j'ai besoin de manger à ce moment-là, je mange en dehors de la souka sans scrupule. Et on a le dernier cas, c'est Ochlin Veshotin Arai Chutz la souka. On mange et on boit de manière provisoire, passagère, en dehors de la souka. En fait, il ne s'agit pas de l'allure avec laquelle tu manges, mais plutôt de la quantité. Et la qualité aussi de ce que tu manges. Soit, c'est le fameux principe en fait, lorsque tu dois t'installer, manger un repas, donc manger du pain, et pas que du pain, attention, il faut savoir, même manger du mezonot à plus de 160 grammes, même pour les sfaradim, même si on ne fait pas motzi, même si on ne dit pas la bracha de l'échef basouka, on a l'obligation d'entrer dans la souka. Bah, après ce 260 grammes, celui qui va manger 220 grammes de pâtes, même si on va faire mezonot, on ne fait pas motzi sur des pâtes jamais. 220 grammes de pâtes imposées de faire la soukha avec la bracha de l'échef basoukha, même pour les sfaradim. Ça, c'est entre parenthèses, c'est une anacha que les gens ont cru que les sfaradim ils disent l'échef basoukha que quand ils font motzi, et les ashkenazes même quand ils font mezonot. C'est une erreur. Une erreur totale. C'est juste que chez les sfaradim, on veut manger une quantité de repas, plus faire un vrai repas. Faire un vrai repas, c'est soit manger du pain, en l'occurrence même 60 grammes, un kabeitza. D'accord, retenez le kabeitza, on en aura besoin pour la prochaine Mishnah. Ou soit, manger l'équivalent de 4 beitzim, 4 œufs, donc 4 fois 60 grammes, 250 grammes, c'est pas exactement, c'est 56. Et la chumra, on est marqué à partir de 260 grammes de pâtes ou de couscous, même si on ne va pas faire un motzi. On est imposé de ne manger dans la souka, et il faudra faire aussi le bracha de l'échelle de la souka, c'est un chumra explicite. Je reviens sur mon sujet maintenant, donc tout ce qui est provisoire, soit manger des fruits, manger des légumes, manger une quantité de pain inférieure à 60 grammes, aussi, eh bien, dans ce cas-là, tu as le droit de les manger en dehors de la souka, et même aussi boire de l'eau, boire des boissons, boire du vin, ce que tu veux, tu n'es pas obligé de rentrer les consommer dans la souka. D'accord? Ça, c'est Ochlin Veshotin Arai. Arai, ça veut dire provisoire, en dehors de la souka. Prochain cours, on aura Bezrat Hashem, une petite histoire avec deux Tanaïm, chacun la conduite qu'il a adoptée lorsqu'on a apporté justement des aliments provisoires, comme ce qu'on verra dans un gemme au prochain cours. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une pleine de Tzlacha, Kol Tov, Selah.